Téléspectateurs, surtout dans Fleurs Monde HD, il y a des gens qui ont été beauté, les Londres ont constaté que la conférence de presse, il y a Dominique Nkouka, il y a qui était présent, mais les collaborateurs pour représenter Livre Oyo, il y a génocide de la rue au Congo. Donc, je vais expliquer un peu qu'est-ce qui s'est passé au Congo, les différentes tribus Oyo et la République du Congo, et les intervenants qui, par rapport à la situation, sont contre. Baza pour génocide, il y a la rue au Congo, Bamsusu, baza contre, n'a peuplé Ntumi, n'a peuplé Ntumi Oyo, aza bongo lokola rebelle Oyo, azalaka nakati, ya mabele na bango. Debo tsikolanda wana conférence eleki nango à bon terme, malgré ba compréhension mike ezalaki mais ambiance ezalaki vraiment très bien bolandango en exclusivité ndenge conférence et outi koleka ezaki bongo présenté na messier Asile Dominique de Marseille. Dans le livre. Donc sans plus tarder, je vais donner la parole d'abord à Dominique. Donc Odilon Obami, vous êtes... Ah pardon, je me suis compris. Asile Dominique de Marseille, vous êtes journaliste à la Télévision nationale du Congo et directeur du journal Le Choc au Congo. Donc je vous donne la parole pour 15 minutes, à peu près, c'est ça? Et ensuite, tout aura... Un quart d'heure, et ensuite, tout aura la parole à Odilon Obami. Je vais sévir. En m'excusant. Mon cher confrère ici, en tant que débatteur, je reviens par la déformation professionnelle à l'essentiel. L'essentiel, c'est un livre, le génocide de Lari au Congo. Ce livre est sorti. Moi, en tant que journaliste, en tant que faiseur d'opinion, je suis interpellé. Que dit ce bouquin? Le terme est grand, génocide. Et quand je vois que l'humanité aujourd'hui n'a connu que 4 génocides, je me refais les citer, le juriste est là, et je revois le Congo, le tout petit Congo, apparaître dans les grandes lignes du génocide, ce qui est une actualité complètement blâmable pour le Congo. J'ai jeté ma tête là-dessus de journaliste, donc de faiseur d'opinion, et de comprendre. On ne laisse pas l'opinion qu'aux seuls politiques. L'opinion intéresse les universitaires, les journalistes, les chercheurs. Quand le pays refuse de parler, eh bien le pays s'arrête. Quand la raison refuse d'exercer, l'humanité dérive. Et c'est en cela que quand nous avons quelqu'un qui a développé une thèse, eh bien il faut bien qu'une autre thèse sorte de là, ou une forme d'antithèse pour que l'on puisse regarder. D'abord la forme du livre. Je demandais qu'on m'amène le livre qui est dans le sac. Le livre n'est pas là. Donc, donnez-moi le livre qui est dans le sac. La forme du livre. Le livre apparaît avec une photo exceptionnelle. Je prends d'abord la forme. L'auteur s'appelle Dominique Nkouka, avocat au barreau de Paris, docteur en droit international. Du coup, c'est un spécialiste des questions de droit. Et du coup, c'est un connaisseur. Il a la connaissance au barreau de Paris et docteur en droit. Quand le bouquin est sorti, je regardais d'abord la forme du bouquin. Il a apparu comme ça. C'est des images de cadavres alignés à même le sol. Et pour moi, journaliste, cette illustration corrobore les écrits. La communication n'est pas seulement qu'écrite, elle est aussi illustrative par l'image. L'image communique. Ici l'image a communiqué. On me montre dans des corps. Ces corps-là signifient qu'il a eu génocide. Et Dominique Nkouka, excusez-moi, policier par la garde présidentielle congolaise, et puis ces grands mouvements de population des quartiers sud vers les quartiers nord, les quartiers sud, qui sont bien sûr les quartiers qui soutiennent plutôt l'opposition au au Congo. Deux quartiers qui ont été les scènes de combats, de conflits qui ont duré plusieurs heures. Alors, l'heure est maintenant à l'enquête. Le gouvernement accuse des miliciens qui soutiennent donc l'opposition d'avoir infiltré Brazzaville pendant la nuit et d'être montés à partir de ces quartiers sud pour attaquer une position militaire et 4 commissariats. Le gouvernement qui accuse les miliciens proches de cet ancien rebelle Frédéric Bintsamou, les miliciens ninja sous la direction de Frédéric Bintsamou. C'est ce climat insurrectionnel maintenant qu'on voit à Brazzaville et qu'on a vu un petit peu dépasser les limites de ce calme ces dernières heures pendant la nuit et qui risque de dégénérer. Ça inquiète beaucoup. Le Quai d'Orsay appelle à la retenue ce matin au Congo, Brazzaville. Autre citation que je voudrais vous transmettre. Un témoin qui a croisé certains de ces miliciens pendant la nuit. Leur objectif, a-t-il dit, c'était de prendre la présidence, la télé et l'aéroport, selon ce qu'ils nous ont dit. Est-ce qu'il s'agissait donc d'un coup d'État qui n'était pas arrivé au bout de la chose? On en saura sans doute plus dans les heures qui viennent. Ce sont des femmes, des hommes, des enfants, jeunes et vieux, congolais comme étrangers en provenance des quartiers sud du Brazzaville, Bacongo, Makélékélé, Matibou et autres, qui ont quitté leur domicile pour se mettre à l'abri du danger. Pour ces populations en détresse, éviter le danger, c'est prendre la direction des quartiers nord de la capitale en transportant ce que l'on croit être essentiel, des valisettes, des éponges et tout ce qui pourrait permettre de continuer à vivre. En franchissant la barrière policière, le lexique culturel français, c'est le calme absolu après le passage de la force publique qui a permis non seulement de maîtriser la situation, mais aussi de procéder à l'évacuation des populations civiles. Ici, sur l'avenue de l'OUA, au lycée Saint-Exupéry, en face de Libération, c'est la fouille et le contrôle afin d'éviter toute infiltration de bandits armés en zone de paix. On ne sait même pas ce qui se passe. Justement, à 3 heures, on commence à entendre les coups de fusil partout et on n'arrive même pas à comprendre jusqu'à maintenant où on veut s'en foutre pour aller à Poutopoto. Ils ont doublé les véhicules, les commissariats, tout ça là. Donc nous, on a peur. On veut rentrer à Poutopoto. Un peu devant vers le collège Angola Libre, c'est la désolation. Le commissariat central de police de la zone sud incendiée, des motos et des voitures calcinées, le siège de l'arrondissement 1 brûlé. Mais pendant que ces zones de Brazzaville Sud sont en détresse, dans les quartiers nord et du centre de la capitale, la vie continuait normalement. Sur l'avenue des Trois Martyrs au Plateau, sur la paix à Mungani jusqu'à Poutopoto, les populations ont librement vaqué à leurs occupations, comme si rien ne se passait. La circulation routière et la circulation aérienne prouvent que la ville capitale Brazzaville n'était nullement paralysée totalement en ce 4 avril 2016. Voilà. Vous avez suivi, vous savez, le journaliste ninja n'ont pas attaqué Brazzaville. Et moi, journaliste, je vous rouvre, je vous sors un reportage. C'est ça les archives. C'est France 24. Mais mon ami Congo dirait France 24 a menti. Là, c'est encore Télé Congo qui est joint à France 24. Ces éléments permettent aux chercheurs, quand ils veulent regarder l'histoire du Congo, de comprendre que le 4 avril, il y a eu bel et bien une milice qui a attaqué Brazzaville Sud, brûlé une mairie, brûlé des commissariats. Donc le problème posé comme ceci, c'est quoi? L'armée maintenant pourchasse le droit de... Et il dit Nkouka dit, le fameux droit de poursuivre les malfrats. C'est comme ça qu'on a tué des narines en masse. Mais Nkouka dit, ce que vous avez vu là, c'est une fabrication. Sinon, Sassou, lui, a fabriqué c'est Sassou qui fabrique Ntumi, qui lui apprend Larry et qui installe Ntumi dans le pool, avec le but de le poursuivre et d'exterminer, pas de tuer Ntumi, mais de tuer les populations. C'est la théorie de Nkouka. C'est-à-dire, M. Ntumi n'est pas un fils de Poul, il est né peut-être au nord du pays, il ne dit pas la région, il est né quelque part, et on lui a pris Larry, on l'a installé dans le Poul, avec la mission d'attaquer toujours le pouvoir central, et quand on va le poursuivre, on tue les Larry. Voilà comment Nkouka demande comment est-ce que le pouvoir est parti tuer les Larry en poursuivant Ntumi. Je me pose la question de savoir en journaliste. Aujourd'hui, je suis de la Cuvette Ouest. On peut fabriquer un Larry ou un Vili, On approche la Riche-Villy, le Téco, le Métis, on l'installe chez moi, et bien il se met à s'organiser très bien, il construit tout, il fait tout, personne ne s'inquiète. Entre cette guerre et la première, Ntumi apparaît pour la première fois en 1998. La guerre du 5 juin prend fin en 1997. Kolela est parti, parce que vaincu avec Lissouba, par les fautes de Denis Sassou Nguesso. Quand Kolela s'en va, Ntumi prend le relais. Entre le déclenchement de la guerre de Ntumi et Kolela, pour montrer en concours que ce n'est pas une fabrication de Sassou, je vais y aller, et c'est ça le journaliste, le président de la République reçoit les sages du Pool dans sa résidence. Il leur dit ceci. Après le départ de Kolela et de Lissouba, mes services m'informent qu'il se passe dans le Pool quelque chose de pas clair. Attention, j'attire votre attention. Nous sortons d'une guerre, on ne peut plus rentrer dans la guerre. Les hommes du Pool à cette audience, les hommes d'église, ont pris la parole pour dire, monsieur le président, s'il peut y avoir redémarre des hostilités, ça ne sera jamais dans le Pool. Le Pool ne pourra jamais faire ça, monsieur le président. Nous sommes d'odeur de sainteté avec vous, il n'y aura jamais cela. Le président l'a dit, même pas 6 mois. Ntumi a déclenché des hostilités, Ntumi est rentré sur Brazzaville. Pourvu, le président dit attention, parce que quand l'armée va râler, on va se plaindre, parce que la première guerre, quand Kolela a fui, quand l'armée a marché sur le Pool, il avait des actions incroyables. Et comme la guerre a pris fin, il a tiré. Je dis bien, le président a reçu les gars du Pool, ce que Nkunku ne connaît pas. Il leur a dit attention, j'ai appris que se trame quelque chose dans le Pool. Les hommes d'église, je répète, ont dit il n'y a rien. Quelques 3 mois après, Ntumi a déclenché les premières hostilités. Entre 1998 et 2018 ou 2016, puisque la deuxième hostilité de Ntumi en 2016 se passe 18 ans. En 18 ans, Ntumi a vécu dans le Pool, même s'il a été fabriqué par Sassou, sans personne s'inquiète. Voilà moi quelqu'un qui vient dans votre village, qui déclenche une première guerre, on tue des gens, il prend une fonction au niveau d'État. Et il repart en paix dans sa région, construit des églises, construit des maisons, des étangs et fait son agriculture. La première guerre n'a pas attiré l'attention de Larry pour dire « Ce monsieur n'est pas Larry, nous a amené la mort ». Ça veut dire quoi? Que le monsieur est bien chez lui. Et pour pouvoir une première chez lui, il vit en paix, malgré les morts de la première guerre, en paix avec les populations du Pool. Il chante, il danse, il fait sa religion. Comme si de rien n'était, et on va voir la deuxième vidéo. Et moi, je passe sur des preuves. Comment Ntumi vit dans le Pool pour dire que ce n'est pas un envoyé? Il vit véritablement chez lui, et la manière avec laquelle il danse, il joue les populations du Pool. Après la première guerre, on aurait pu lui dire, messieurs, vas-y, messieurs, excusez-moi. On aurait pu lui dire, messieurs, écoutez, sortez du Pool, vous avez tué des gens, on ne peut plus vous revoir ici. Mais quand il finit la première guerre, mais Ntumi revient, quand Ntumi revient, regardez comment il vit dans le Pool. France à l'unisson, puisque dans le livre Dominique Nkouka, M. Ntumi permet à Sassou de tuer les laris. Et Ntumi, là, il est lari, mais il n'est pas lari d'après un concours. On lui enseigne le lari. Voir quelqu'un comme ça dans un milieu qui n'est pas le sien, avec autant d'osmose avec la population, ça inquiète. Si Ntumi n'est pas lari, il est tout. C'est un mot cher qui on enseignait lari et qui est installé dans le pool et qui permet à Sassou d'aller exterminer les lari. Quand vous êtes journaliste, vous avez ce genre d'éléments et vous avez un bouquin pareil. Ça vous amène à réfléchir. Les hommes politiques écrivent des contre-vérités pour des raisons politiques. Le journaliste doit rétablir la vérité pour des raisons morales, pour des raisons intellectuelles, pour des raisons d'objectivité de la raison. Quand vous avez ce genre de film, comment pouvez-vous penser que ce monsieur-là a été fabriqué? Et, en terminant, je vais vous dire, entre la première guerre qu'il déclenche, il imposte, et la deuxième guerre, voilà comment il vit. Si ce monsieur est génocidaire, celui qui a amené Sassou par son biais à tuer les laris, dès qu'il finit la première guerre, il repart comme ça en dossier avec la population. Ou alors le problème il est là, ou les laris ne comprennent rien. Tu ne peux pas venir chez nous, tu nous tues, on te donne un poste, et la paix règne pendant 18 ans, tu repars dans l'autre village et tu danses comme ça. Et ensuite, la deuxième fois, encore la guerre arrive, et bien on te accuse, c'est toi qui nous tues avec Sassou maintenant, on se moque de qui? Ça, c'est ce qu'on appelle les visions politiques. Le journaliste, il réfléchit, il va plus loin. Bref, je vais arriver à un point, puisque je vous ai montré ces vidéos. Il y en a trois, on en montre deux. La troisième, on va vous la montrer dans les débats. Mais ce qui amène à... quand vous voyez ça, ça veut dire quoi? C'est comme Nkouka dit ici. C'est Ntumi qui est le moteur du génocide avec Sassou. Mais Nkouka ne dit pas que Ntumi est lari. Il vit dans le pool. Soit-il Bacongo, mais originaire du pool, vivant chez ses parents au pool, et maintenant la guerre. Ntumi devient cette espèce de prostituée politique, n'importe qui veut se servir de lui pour faire entendre sa voix. Tu sors de l'opposition, tu as besoin de prendre des armes, tu as besoin de prendre pour Brazzaville, à Brazzaville, il y a Ntumi qui a sa réserve ministérielle, tu parles de le consulter. Ntumi devient ce genre de prostituée politique, n'importe qui, comme vous avez vu le procès Mokoko. Mokoko, dans son procès, dans son coup d'État, compte sur Ntumi. Les mercenaires sont au Gabon, ils vont faire la relation avec Ntumi au Vénichu Brazzaville. Et quand on parle de Ntumi dans le coup d'État de Mokoko, Ntumi a un nom de code, c'est la Blanche. Est-ce que vous avez vu la Blanche? Tous les contacts avec Ntumi, le nom de code de Ntumi, c'est la Blanche. Donc celui qui va prendre le pouvoir au Congo, s'appuie sur Ntumi. Voilà ce que j'appelle moi cette espèce de prostituée politique, par qui n'importe quel opposant passe pour prendre le pouvoir. Alors quand c'est comme ça, Nkouka ne dit pas qu'il y a eu des actions dans le poulet, il y a eu mort d'homme dans le poulet, il y a eu vraiment... des morts en masse, oui. Mais il ne dit pas que nous avons hébergé le mauvais gibier dans la maison quand vous allez à la chasse. Quand l'animal débusque le mauvais gibier, eh bien, il revient à la maison. Et si vous ne faites pas attention, le chien est pourchassé. Quand le chien est pourchassé, le gibier, le mauvais gibier, fuit, poursuit les chiens à domicile. Et quand Ntumi déclenche le soutien à Brazzaville, il fuit, l'armée fait son droit de poursuite. Et quand l'armée fait le droit de poursuite, on le poule. Mais l'armée ne va pas aller caresser Ntumi. Et si Ntumi n'avait pas été arrêté jusque-là, je peux l'avouer, il y a eu la complicité de la population. Quand il y a cette population qui est complice alors qu'elle est en train d'être tuée en masse, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, il y a l'imbroglio dans les affirmations de Nkouka. Le dernier élément, celui de la haine entre les laris et les gens du Nord. Ça s'appelle comme dans le livre de Nkouka, les laris et les gens du Nord. Il parle d'Opango. C'est Opango qui aurait pu être vice-président. Le jour de la proclamation de l'indépendance, ce n'est pas lui. Il dit ce n'est pas lui, c'est quelqu'un d'autre. Mais il ne nous explique pas ce n'est pas lui, ça veut dire quoi? Il y a un contexte historique qu'il faille décrire pour ne pas tromper l'histoire. L'histoire c'est quoi? Monsieur Youlou n'a pas la majorité au sortir des élections de 1957. Il n'a pas la majorité. Elle est mesquine cette majorité. Il a 23 députés, monsieur Youlou a 24, monsieur Opango a 24 députés, Youlou a 23. Donc il n'a pas sa majorité. Et dans le jeu des alliances, il y a un membre du côté d'Opango qui bascule, qui va du côté de Youlou. Et Youlou se sent vainqueur puisqu'il a déjà la majorité. Et pendant qu'Opango proteste, sort, parce qu'il n'accepte pas ce genre d'achat de conscience, pendant qu'il est dehors, Youlou passe en vitesse, fait voter les lois de la République avec sa minorité dans la salle. Ce qu'on appelle, moi, un premier coup d'État. Le premier coup d'État au Congo, c'est Youlou qui le pose. En cette année-là, en 1950, c'est Youlou. Donc il fait voter le roi de la République pendant que les autres députés sont dehors. Et avec l'aide de la France, bien sûr, à l'époque. C'est comme ça que le premier conflit démarre. Parce qu'évidemment, nous pose le premier coup d'État et l'autre proteste, l'antagonisme a germé entre les deux, d'où naît la guerre. C'est bon. Merci beaucoup pour vos propos qui me ramènent, encore une fois, ce que je disais, un vrai travail d'historien dans un débat contradictoire. D'ailleurs, la prochaine étape, je pense que ce serait d'inviter M. Nkunku et que vous puissiez dialoguer avec lui. Je ne sais pas si c'est prévu, mais en tout cas, je crois que ce serait utile. Nous le ferons. Je pense que la première étape, c'est effectivement de dire votre thèse et qu'ensuite la confronter, parce que les images que vous portez peuvent évidemment être interprétées. C'est le sens même du club libre propos. On aura l'occasion de... Bon, alors, vous me rassurez. Commencer par là. Merci beaucoup. Et je reviendrai. Maintenant, je voudrais donner la parole, donc là, je ne vais pas me tromper, à Odilon Obami, qui est professeur, enseignant à l'École nationale d'administration et de magistrature, et vous êtes actuellement fonctionnaire, j'en déduis ça, mais vous me direz si je me trompe, au ministère des Mines et de la Géologie, et vous avez surtout écrit plusieurs ouvrages, également aux éditions Harmattan. Vous avez cela en commun avec M. Nkunku, notamment votre dernier plaidoyer pour le changement des mentalités au Congo. Donc on va commencer par là. Pour changer les mentalités, il faut évidemment parler la même grammaire, parler le même langage, et s'écouter et s'entendre. Donc nous allons vous donner la parole pour que vous puissiez compléter ce qu'a dit notre collègue Asile Dominique. Allez-y, le micro marche. Merci 15 beaucoup. Minutes, vraiment. 15 minutes, hein. Je suis en train de séduire. Allô. Merci. Merci beaucoup de me donner l'occasion de m'exprimer sur ce sujet très sensible qui continue de défrayer la chronique. Tout à l'heure, j'ai entendu et écouté M. Azi parler dans la bagoue dont on lui connaît, son énergie, j'allais dire asiatique. Je pense qu'il porte bien son nom. Moi, je suis juriste. Azi a dit en prolégomène qu'il est journaliste. Moi, je suis juriste. Je pense que chacun de nous est déformé par sa formation. Et nous sommes venus ici, c'est pas pour faire de la politique. Moi, en ce qui me concerne, je suis ni homme politique, ni encore moins politicien. Je suis un intellectuel libre. Et lorsqu'on m'a invité pour essayer d'apporter mon expertise, ma modeste expertise de juriste, pour essayer d'éclairer la religion des uns et des autres, on m'bastillait souvent dans les geôles de l'obscurantisme. Je n'ai pas hésité un instant pour venir. Et je souhaitais rencontrer sur ces lieux mon compatriote Dominique Nkouka, avec qui on a 3 points communs, comme a dit notre ami tout à l'heure. Il est congolais comme moi, il est juriste de formation, il est écrivain, il a publié chez l'Harmattan, moi aussi j'ai déjà publié 2 livres chez l'Harmattan. Et lorsqu'on a déjà publié chez l'Harmattan, de temps en temps, l'Harmattan vous envoie des mails pour vous informer sur les livres qui viennent de paraître. Moi, c'était au mois de septembre que j'avais reçu un mail de l'Harmattan. Quand j'ai déroulé, j'ai vu l'intitulé d'un livre, Le génocide de Lari au Congo. Et quand j'ai vu ce livre, le titre, je vous avoue que ça suscitait en moi des démangeaisons intellectuelles. Et tout de suite, la première réaction, c'était de réagir. Mais je ne voulais pas réagir à chaud. Comme disait Épithète, un jury, si tu lui tiens, mais lis d'abord. Et pour bien apprécier un vin, il faut d'abord le goûter. Et je me suis dit, malgré l'interdiction qui est faite au Congo, il faut que je m'approprie d'abord ce livre pour le lire, pour comprendre pourquoi on parle de génocide de Lari au Congo. Peut-être que M. Nkouka a raison, peut-être qu'il a tort, mais il faut d'abord lire ce qu'il a écrit. Et j'ai pu m'approprier ce livre au moyen numérique. Et quand j'ai vu ce livre, moi, je reviens plus sur la photo, Asile Dominique de Marseille a bien expliqué. Moi, il y a 3 choses qui avaient retenu mon attention, parce qu'à l'occasion, j'étais invité par une chaîne de télévision nationale, Top TV, pour en débattre. Je n'ai pas eu le temps de lire, j'ai regardé d'abord la photo, j'ai regardé le titre. Moi, il y a le mot « génocide » qui a retenu mon attention, le mot « Lari » et la couverture. Bon, en tant qu'écrivain, pour lire rapidement, on ne va pas par 4 chemins. J'ai d'abord regardé la page de couverture, parce que la page de couverture d'un livre, c'est une espèce de journal intime qui permet de comprendre la motivation de l'auteur. Il essaie un peu de se dévoiler dans la page de garde. Alors quand j'ai regardé la page de garde de ce livre, M. Nkunku dit au début, il dit, il rend hommage à Céline Moundélé, ma mère dont je ne connais même pas le tombeau, car Ntumi, l'agent de Sassou, avait assiégé Soumouna, le village où elle est enterrée. Ensuite, il parle de son oncle, il parle des enfants. Et moi, cette page de garde, humainement, m'avait beaucoup touché. J'ai compris tout de suite, c'est quelqu'un qui est à l'étranger. Nous tous, moi, je suis transfuge de la diaspora. J'ai vécu en France pendant 27 ans. Ça fait 2 ans que je suis rentré au pays. J'ai compris le drame d'un homme, la peine, qui est à l'étranger, qui apprend qu'il y a eu une guerre au pays, il n'a jamais retrouvé sa mère, portée disparue. Je comprends tout de suite sa réaction et l'émotion d'un concours. Ensuite, il y a la page, il y a la 4e de couverture. La 4e de couverture fait le résumé du livre. Moi, quand j'ai lu la 4e de couverture, par exemple, quand je lis que les Lari au Congo ne meurent jamais de mort naturelle. Il ne meurt que de génocide. Moi, il n'y a que ces 2 choses, je me suis dit non, mais c'est pas possible. Donc le paludisme n'existe pas contre les laries, le cancer n'existe pas contre les laries, il n'y a que du génocide. C'est pour ça que je n'ai pas hésité à répondre à cette invitation, non pas pour venir jeter de l'huile sur le feu, mais pour essayer de discuter sereinement avec mon compatriote, confronter les idées, pour qu'on puisse faire la paix. Parce que ce qui divise les Congolais, c'est qu'ils ne se parlent pas. Chacun de nous a ses opinions, mais nous devons toujours faire un effort de se parler, de confronter les arguments, discuter et non se disputer, débattre et non se battre, confronter les arguments et non s'affronter. Nous devons faire en sorte que la force de l'argument triomphe de l'argument de la force. C'est pour ça, après avoir essayé de parler de cet aspect un peu politique et sociologique, permettez que je parle du droit par rapport au terme génocide. Le droit, vous savez, c'est pas une science ésotérique qui est réservé à certains initiés. Non, le droit, c'est une science exotérique, ouverte à tout le monde. Il suffit de faire un effort de compréhension, de lire attentivement pour comprendre. Le droit, c'est à la fois une science, c'est aussi un art. Le droit, c'est l'art de l'argumentation. L'argumentation juridique est sous-tendue par ce qu'on appelle le syllogisme. Le syllogisme est cet argument qui est fait de 3 termes. Il y a d'abord la majeure qui énonce une règle, il y a la mineure qui consiste à appliquer la règle au fait, et la conclusion qui consiste à dégager la solution. C'est cette approche méthodique, syllogistique, qui permet donc à un juriste, à n'importe quel intellectuel, de trouver la réponse par rapport à un problème de droit donné. M. Nkunku prétend qu'il y a génocide et lari dans le pôle. Peut-être qu'il a raison, peut-être qu'il a tort. Essayons d'appliquer l'approche syllogistique que lui et moi avons appris sur les bancs de la faculté, dans les temples de droit. Le génocide, c'est un terme, du point de vue de la sémantique, qui découle, je pense, du latin ou du grec, composé de 2 termes. Il y a génos, qui signifie une groupe d'individus, cide, qui signifie tuer, éliminer, massacrer. Ça, c'est du point de vue de la sémantique. Et le droit a conféré une définition juridique au terme génocide pour éviter qu'on qualifie tout et n'importe quoi de génocide, comme a dit en introduction notre ami. Donc le droit international, après la Deuxième Guerre mondiale, en 1948, s'est intéressé sur la définition du génocide par rapport aux atrocités ignobles qui avaient été commises, notamment par les nazis. Et c'est le droit international, au moyen de la Convention de Genève, du 9 décembre, me semble-t-il, 1948 ou 1949, qui définit pour la première fois le génocide. Et la plupart, quasiment tous les pays civilisés ont repris la définition du génocide ou se sont inspirés de cette définition pour incorporer cette définition dans leur droit positif. Au Congo, c'est la loi du 31 octobre 1998, ceux qui connaissent le Congo, tout de suite savent que là on est à un an après la guerre de 1997, ce qui signifie qu'avant la guerre de 1997, dans le code pénal congolais, il n'y avait pas la définition ni la répression du génocide. Donc c'est après la guerre de 1997 que le Congo incorpore dans le code pénal la loi sur le génocide, donc la loi du 31 octobre 1998, qui définit le génocide comme étant, je vais être simple, le fait de commettre ou de faire commettre en exécution d'un plan concerté des actes, par exemple, tendant à tuer un groupe d'individus en raison de leur appartenance à une nation, à une ethnie, à une religion ou à toute autre catégorie arbitrairement déterminée. Par exemple, le fait de détruire un groupe d'homosexuels ou un groupe, comme chez nous au Congo, on souvent sévit des bandits qu'on appelle des bébés noirs, le fait de détruire, par exemple, en exécution d'un plan concerté, tous les bébés noirs. Donc ce n'est pas lié qu'à l'ethnie ou à la nation. Donc la catégorisation tient à certains critères qui peuvent être déterminés de façon arbitraire. Voilà la définition que la loi congolaise donne sur le génocide. Ça, c'est la majeure, comme je vous ai dit, dans le raisonnement syllogistique. Et quand on applique ce principe aux faits décrits par M. Nkunku, mais il n'y a jamais eu de génocide au Congo, ni à l'occasion de la guerre de 5 juin 1997, ni à l'occasion des atrocités que nous déplorons, idiotes qui ont été perpétrées dans le Pool, ni même pendant la guerre de 59, puisque M. Nkoukou situe le génocide depuis Opango jusqu'à aujourd'hui, en passant par tous les présidents qui ont présidé aux destinées du Congo, sauf le président Youlou, qui était de la tribu Lari. Donc Lissouba, il dit même dans le livre que le plus gros génocide au Congo, c'est celui qui avait été perpétré par le président Pascal Lissouba en 1993. Il a écrit dans son livre. Vous voyez, donc quand on applique ce principe au fait, la conclusion, c'est qu'il n'y a pas de génocide. Donc M. Nkunku, je pense que aurait été pertinent, en tant que juriste, je comprends ces états d'âme, il aurait été pertinent s'il avait parlé des exactions, des crimes de guerre commis ça et là à l'occasion des conflits idiots qu'on a connus dans notre pays depuis les indépendances jusqu'à aujourd'hui. Il aurait été pertinent. Mais génocide, non, il ne faut pas blaguer avec le mot génocide. Je pense que nous devons faire attention aux mots qu'on utilise. La Bible dit même qu'au commencement, c'était le verbe. Selon la manière que vous utilisez certains mots, vous risquez de faire du mal, comme vous pouvez aussi faire du bien. Moi, je pense que M. Nkunku a confondu génocide avec crime de guerre. Parce que tous les crimes de guerre ne sont pas forcément des génocides. Comme tous les génocides ne sont pas forcément des crimes de guerre. Le génocide et le crime de guerre, juridiquement, sont tous des crimes contre l'humanité, imprescriptibles, on peut poursuivre à vie. Mais pour qu'un crime de guerre soit considéré comme génocide, il faut qu'ils aient été perpétrés à l'exécution d'un plan concerté. L'exemple par excellence de génocide, c'est celui qui fut perpétré par Hitler. Hitler avait mis en place un plan concerté qui s'appelait Opération Cristal. Les livres d'histoire le démontrent à foison. Hitler, dans cette opération dite Cristal, avait envisagé, avait tué 6 millions de Juifs et 3 millions de Tziganes et de Noirs. Donc au total, Hitler avait tué 9 millions de personnes. C'était programmé, c'est ça le plan concerté, opération Cristal. Il y a eu le génocide au Rwanda, il y a eu le génocide arménien. Plan concerté. Au Congo, il n'y a jamais eu de type d'opération. C'est-à-dire que le fait même pendant la guerre, qu'une personne dise tuer tous les laris, ce n'est pas génocide. Pour qu'il y ait génocide, il faut qu'il y ait plus d'une personne, c'est-à-dire concertation. Au moins deux ou plusieurs personnes s'assiedent pour dire nous devons tuer tous les laris ou tous les tékés, tous les vilis. À ce moment-là, il y a génocide. C'est pour ça, même après la guerre de 1997, lorsque on avait engagé les poursuites contre le président Lissouba au nom du génocide, moi en tant que juriste, à l'époque j'étais encore étudiant à Paris, au début j'étais d'accord pour la poursuite. Mais quand j'ai lu les livres de droit, la définition du génocide, j'ai dit non, il n'y a pas de génocide. Il faut démontrer que le président Lissouba s'était concerté avec d'autres personnes pour détruire tous les ressortissants du Nord, par exemple. De même que je dis, par rapport à ce qui s'est passé dans le Pool, il n'y a pas aussi génocide. Il n'y a pas eu plan concerté pour détruire une catégorie de personnes données. Enfin, lorsque mon compatriote Nkouka parle de Lari, Lari, ce n'est pas une ethnie, c'est une tribu. Lari, c'est un fragment d'une ethnie qu'on appelle le groupe ethnique Congo, qui recèle plusieurs tribus, notamment les Barangala, les Sundi, le Congo de Boko, il y a des Tékés dans le Pool, il y a aussi des Tékés. Bernard Koela, par exemple, était Téké du Pool. Donc Lari, c'est un croisement de plusieurs tribus du groupe ethnique Congo, les Lari. Donc lorsqu'il dit qu'on a programmé une opération pour tuer uniquement les Lari, vous voyez déjà en tant que fragment du groupe ethnique Congo, depuis 1959 jusqu'aujourd'hui, mais il n'existerait plus de Lari au Congo. Vous voyez? Donc je vous ai dit que, je ne vais pas monopoliser la parole, que lorsqu'on fait cette analyse intellectuelle, scientifique, en toute objectivité, je ne fais pas la politique, en toute objectivité, en tant que juriste, je me dis que non, mon frère Dominique Nkouka s'est égaré, il s'est trompé. J'aurais aimé l'avoir en face de moi pour discuter, non pas pour se faire la guerre, non. Il faut confronter les idées intellectuelles pour qu'on se comprenne et qu'on se dise que lorsqu'on est écrivain, on doit avoir la maîtrise de la plume et de ses états d'âme pour éviter de sombrer dans des envolées hystériques qui mettent à mal l'unité nationale, la cohésion nationale, facteur sine qua non du développement d'un pays, parce que aucun pays au monde ne peut se développer sans cohésion nationale. Nous sommes différents, mais nos différents ne nous empêchent pas de vivre ensemble. Comme disait Nagavalda, ce qui empêche les gens de vivre ensemble, ce ne sont pas leurs différences, ce sont leurs conneries. Parce que la société, c'est salmigondis, c'est un ensemble d'éléments disparates. L'unité ne signifie pas uniformisme. Qu'on soit du Nord, qu'on soit du Sud, qu'on soit Congo, qu'on soit Gangoulou, qu'on soit Téké, nous sommes, nous tous, des Congolais. Il y a une partition de notre hymne national qui dit que ce qui nous unit est plus fort que ce qui nous divise. Nous devons transcender nos états d'âme. Je comprends l'émotion de M. Nkouka par rapport à sa mère, mais lorsque l'émotion prend le pas sur la raison, ça conduit au développement déraisonné et ça met en péril la société. C'est pourquoi en tant qu'intellectuel, j'interviens ici pour éclairer, pour essayer d'apporter la lumière. Parce qu'un intellectuel, c'est celui qui réfléchit sur les problèmes auxquels est confrontée sa société et pour essayer d'y apporter les solutions. Ce qui détermine un intellectuel, ce n'est pas les diplômes, ce n'est pas les écoles, c'est sa capacité d'utiliser son intellect, son intelligence pour répondre aux problèmes auxquels est confrontée sa société et tenter d'y apporter des solutions de façon objective. Moi, je me définis comme un intellectuel engagé. Comme disait Jean-Paul Sartre, je terminerai par là. Un intellectuel engagé, c'est celui qui éveille les autres. Voilà, mesdames et messieurs, chers amis, chers compatriotes, chères sœurs, chers frères, le moins que je puisse dire à propos de ce sujet. Et je pense que je vais restituer la parole à qui me l'avait donnée. Je souhaite qu'il y aura un débat libre, franc, contradictoire, parce que nous devons exalter la loi de la contradiction, confronter nos idées pour faire jaillir la lumière. Voilà, mesdames et messieurs, ce que j'avais à vous dire et je vous remercie. Monsieur Dominique Nkouka, je vous ai suivi tout à l'heure, je voulais comprendre l'émotion de l'auteur, c'est quoi? En fait, nous sommes venus échanger sur la problématique posée par l'auteur Dominique Nkouka, qui est avocat au Bar, qui était avocat au Bar, mais qui est docteur en droit international, a sorti une livre intitulé Le génocide de la rue. Donc nous avons regardé s'il y avait beaucoup de génocide et on a constaté que évidemment, l'auteur a accusé que non, il n'y a pas de génocide de la République, parce que le génocide entend extermination d'un groupe donné avec un plan concerté. Et pour lui, depuis le Congo indépendant, on voit depuis le président de l'ONU, tous les autres présidents font le génocide. Et il ne demande pas le plan concerté, il ne demande en fait la du génocide. Et le fait que le ça a muté les intellectuels. Chacun voulait savoir qu'est-ce qu'il veut écrire, parce qu'évidemment, quand on dit génocide, c'est très grave. Jusqu'aujourd'hui, l'humanité, on connaît qu'à peu près trois génocides, celui des Balkans, celui de Rwanda et puis celui d'Hitler. Et je vous parle de Congolais, c'est pareil que non. Donc c'est pour ça qu'on organisait des gens, et puis les gens ont montré que vraiment, il y a eu un but de montage de l'auteur. Il n'y a pas eu de... Deuxième question, je voulais aussi savoir pourquoi l'auteur a écrit sa maman et son oncle. Oui, mais en fait, dans le truc de jeu, en première couverture, page d'âme, il a voulu dédier cet ouvrage à la mémoire de sa maman et de son papa qui sont morts au Congo, qu'il n'a pas vu. C'est ce qu'il a voulu faire, mais ce qui n'est pas bon parce que déjà ça montre les couleurs, que le document a une forme d'odeur de revanche. C'est comme s'il dit, écoutez, je me venge de ceux qui ont tué mon père et ma mère, je m'en vais dans le Congo. Il est tout ce document. Oui, il se sent coupable de ne pas les aider. Bon, oui, mais il dit que ce soit parce qu'il était dans un... Il est à Paris, les parents sont morts. On est sauvés. Et puis c'est pas dans quel moment ils sont morts. Merci beaucoup. Bonjour Alain. Bonjour. Tu peux nous expliquer le contenu du livre Génocide de Larry? Bon, le contenu du livre Génocide de Larry. D'abord, je ne suis pas d'accord du titre. Génocide de Larry. Et je vais beaucoup plus insister sur les questions ethniques qui divisent toute l'Afrique. Oui. Parce que les Européens ont créé ce qu'on appelle des tribus et des ethnies chez nous. Tribus, dans aucune langue africaine, en Lingala, Kikongo, vous ne trouverez pas ce mot tribu. En fin de compte, c'est quoi une tribu? On construit des tribus dans le but de mesurer un ensemble qui n'est pas linéaire. C'est-à-dire qu'une tribu, c'est une propriété de topologie qui obéit à trois propriétés, d'où le mot tribu. En revanche, il y a ce qu'on appelle des ethnies. Les ethnies, c'est quoi? C'est un ensemble de peuplements qui parlent la même langue, qui ont le même culte et les mêmes coutumes. Quand on prend par exemple le cas du Rwanda, les Hutus et les Tutsis ne sont pas des ethnies. Pourquoi? Parce que les Tutsis et les Hutus, ils parlent la même langue. Ils ont la même culture, ils pratiquent la même religion. Donc ce ne sont pas des ethnies. Et ces mécanismes, justement, ces mécanismes qui ont induit les Africains en erreur, ces subdivisions qui sont erronées, qui conduisent à des guerres. Et de même, quand je viens au Congo-Brazzaville, les Larry, ce n'est pas une c'est pas une tribu, non. Le lari, c'est tout simplement l'urbanisation du Kikongo. Hein. Donc il y a des concepts que les intellectuels africains commentent sans analyse et c'est complètement déplorable, quoi. Voilà. Est-ce que vous êtes d'accord avec l'auteur du livre ou pas? Le fond, disons que le fond, est-ce qu'il y a eu génocide au Congo? Oui, il y a eu bel et bien un génocide depuis l'époque coloniale, il y a eu des génocides. Mais ce que je trouve déplorable, c'est que les livres de l'auteur soient vraiment mal écrits. Et je pense que l'éditeur n'a pas fait son travail de recadrage, quoi. Et c'est ça. Et c'est pour cela qu'on assiste à ces déboires ou à des choses qui ne sont pas forcément vraies du contenu du livre. Bonjour, grand-père. Bonjour, maman. Merci, maman. Oui. Non, on a s'appelé Nengue intervention Salami. On a s'appelé. On a s'appelé Mingi. Parce que. Oui, c'est la conférence Moko. Et ça, on a besoin de Moutou. Malgré tout, on a Mingi. Pour besoin de mais comme c'est comme Mboka, on a débat. Hollandais débat on dégaine l'équipe vraiment hollandais à la lettre pour le peuple congolais la République démocratique du Congo Conseil européen ça va démocratique du Congo on les emboque dans la botami mbokawana trouver la paix pour un peu combattre la paix bimi magima kama kama génocide baning bisu nous toujours ouais la gaga la paix mboka na ngai Congo démocratique, nous avons ça sali. Mais je ne pense pas que mais caractère toujours ouverture. Maintenant, on sait pas la paix, le débat est dans la paix. On a sali livre, aïe, tout se battre. Vraiment, on s'est pelé. À connaissance, est-ce que ceux qui ont écrivain dans la République démocratique du Congo ou pas? Ah, bah c'est belé. Net, il y a une combo. Ah là 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 là. L'écrivain... Bah, non, pas Youlou, Youlou c'est... Yes, artiste. Ah, artiste. Oh. Un mot de la fête pour le peuple congolais. Vraiment, l'écrivain au Congo, on a beau célébrité. Beaucoup de choses, on a bien, on a positivité. Moi, le Congo, tout s'appelle Moko. Tout le monde a surtout, on a ah, voilà. On peut se réponse. Merci, Ming. Merci, Koko. Merci, la CP. Tokutanina, grand prêtre. On ne le présente jamais, mais vient en mon raté. Ce que vient en mon côté, maintenant, il faut Tommy Tuna. Koko waya yozala kazed ozala kalia mais awa oye ba moni yona na grand écran pesa biso motivation nini ememi yo ba na temple ya connaissance oyo na kati ya Paris vie de lumière ngai eloko ememi ngai awa d'abord mpo na ningaki na vivre na ba oyo tobengaka ba intellectuel oyo bayebi koexplike biso makambo ndenge eza koleka ya na bango nakoka te occasion yo te il faut naya donc oye maintenant est-ce que motivation oyo eye na oyo oyoki parce que namonaki yo na système moko ya kundela peut-être mais namonaki o vieux azozwa banote or biso ebeni na kota kitendi mais qui tient Dinakobunda, est-ce que Bakopara Kenaké qui tient Babunda Gate? Yumuna Nenganin. Ah, on est pour n'assister à ma Kambuyamboka. Pour écouter un peu de débat dans les bandes, nous devons poser une question et bagiter, nous répondre par rapport au Kakiawa. Bamona Kokowaya, Azara Marambu, il y a Babilabate, mais Azapé la Macambozo concerné, futur il y a Lobby Mboka, génération. Grande intervention par rapport à génocide à Balari, Yoko Lobanin, parce que yo intervenant qui pour la génération à Lobby. Est-ce que ça utile que Bana Lobby Baïba histoire vraiment? Mais c'est pas une lettre parce que livre parce que les moto livre n'ont pas aller à solo super le couteau boyer moro mukolo ayebi biso nde problème le kola mutango takutisi biso donc moni bato bayaka baluka biso te bato bayaka kaka o boye biso ta mona aloka rogorega a compatriote na biso ba congolais toketa musique so ba ngba yeba intellectuel ba yeba bengi biso bata diaspora toye ko solo la donc toye ki ma solo c'était en lingala c'était en français j'ai oublié c'est en français ça na début il y a livre non, ngati pona auteur alinga lobate, auteur a cité verset biblique 37 et lobina début l'Éternel aime la justice. Omoni elingo lobake ce qui n'a sali un peu psychologie naie l'Éternel aime la justice elingo lobake ce qui nzambe alingi justice, il faut que bateau bazako violer justice, baza la condamner. Comme a commis libre sur le génocide, comme le génocide est un crime, donc moto a commis crime, il faut la condamner. Je suis tout à fait d'accord avec lui, mais pour un juge à condamner, à appliquer justice, il faut que moto on aille accusé à commettre génocide. Or, la justice n'a biso génocide et l'ingolo baté makambo ya expliqué na beaucoup naie. Makambo ya expliqué na beaucoup naie makambo, ça n'a rien à voir avec le génocide. Donc, ceux qui éternel aiment la justice, juge justice y a quoi appliquer, à quoi acquitter, accuser. À condamner, c'est ça la justice. Ok. Question à ce que Zaki Boé, auteur Kotanga livre Ndenge et Banzi, auteur Ndenge Azo Lobela maman naie, na oncle naie. Est-ce que Azo Lela Bango ou bien Azo quoi Azo ko se culpabiliser n'absence naie, Ndenge Bango Batika la qui après maman naie a Koufi. Azo lela bango azape ko se culpabiliser. Pona ni na lobine ngwana. Tanga zo parler na mama na ye azo lela. Ezo sala ma watanga zo tanga pa. Toza batonyo to na motema yo ka poto peut-être 25 ans 30 ans yo ka guerre ko ina mboka. Mama na kufo ibi ata kote bakunda ete. Même yo même ngamba même ndeko yo e ko sala yo pasi na motema azo lela mama na ye. Au moins côté ya noko na ye azako se culpabiliser parce que côté moka lobi que noko na ye akobengo secours ba ka ko sungaye ye ko azalaki moyen qui a kosunga et azo se culpabiliser quelque part et ça sentiment encore humain mais est-ce que parce que aux années monde HD ndenge bauti kolanda en exclusivité conférence de presse donc et l'équipe nango ndenge lekara comme d'habitude na pesi merci na ba téléspectateurs non surtout au Hollanda émission oyo na ebisi ba fa na nganya surtout au Hollanda Fleurs Monde HD ba continuer toujours ko s'abonner masolo asika ezali ba mama minene oya parce que masolo vraiment liste ko mulai hein bo s'abonner vraiment massivement na katia chaîne abino pour masolo asika ezali bon l'année 2019 kala mingité masolo ya bien très bien kitoko pour se faire lango donc à suivre tokutel bon pour la prochain numéro.